réseaux de Wi-Fi qui sont actifs, tu es Wi-Fi Net, Network Smart Coop NAG 2017. Donc vous pouvez vous connecter, les mots de passe sont affichés. Et alors, un deuxième message, c'est que les questions ne vont plus passer par un micro dans la salle, mais vous pouvez envoyer vos questions par SMS. Et alors, le numéro pour envoyer le SMS, c'est le 0460 200 711, mais c'est affiché aussi. Dus geen vragen meer via micro in de zaal, maar je kan een sms'je sturen en dan ben je online en kan je je vraag via sms stellen. Merci Frisia. Alors un petit mot pour démarrer notre assemblée générale. Je vous rappelle quand même que vous pouvez encore voter, il y a plus de 350 personnes qui ont déjà voté, ce qui est très bien, on est assez content. Mais si on pouvait arriver à 600 par exemple, ce serait encore mieux. Donc si vous n'avez pas voté, ceux qui ont la possibilité de voter, évidemment, n'oubliez pas de le faire avant la clôture qui est prévue à 17h. Donc, on est un peu désolé, mais comme on est tributaire aussi d'un prestataire extérieur qui a organisé les votes électroniques, forcément, on a un certain nombre de contraintes. Alors, presque 11 000 sociétaires en 6 mois, près de 800 participants à la première assemblée générale formelle de SmartCop, sans compter, puisque c'est retransmis en direct live. Tout à l'heure, pour le débat précédent, il y avait eu plus de 900 personnes à distance qui suivaient nos débats. 35 candidats au futur conseil d'administration, dont 22 au titre de la catégorie A, c'est-à-dire les membres, et 13 au titre de la catégorie B, c'est-à-dire tous les autres. Nous y reviendrons au moment de l'élection tout à l'heure, mais déjà, comment ne pas se réjouir de l'élan d'intérêt que suscite notre transformation coopérative. Je le dis parce que beaucoup se sont tournés vers nous pour nous questionner sur la réalité de l'intérêt que susciterait cette transformation coopérative. Même si jamais rien n'est abouti, nous sommes convaincus aujourd'hui que notre transformation coopérative correspond vraiment à une volonté collective. De nombreuses personnes nous ont questionnés ces derniers jours pour demander comment avez-vous choisi les candidats au conseil d'administration, puisque vous savez qu'un des éléments importants de notre assemblée générale va être d'élire les candidats au futur conseil d'administration qui va siéger pendant 4 années. Et donc, vraiment, beaucoup de personnes nous ont demandé, mais comment avez-vous fait pour choisir ces candidats? Et le simple fait que cette question se pose révèle à quel point nous doutons toujours qu'il soit possible que des candidatures soient réellement spontanées. Et donc, je voulais, en guise d'introduction, déjà vous informer de cela, vous dire que nous sommes nous-mêmes surpris de l'intérêt qu'a suscité la candidature au conseil d'administration. Pour beaucoup de personnes nouvelles, il y a bien évidemment, et c'est très bien, des personnes qui sont déjà connues de Smart ou qui y travaillent ou qui ont déjà collaboré, mais beaucoup de personnes nouvelles se sont portées candidats et nous sommes très satisfaits de cette situation. Alors, même s'il s'agit de la première assemblée générale de SmartCop, c'est maintenant la troisième fois que nous proposons une formule d'assemblée générale qui soit le plus possible un véritable temps de rencontre, de formation, aussi de réflexion collective. Je me souviens la première fois, donc en 2015, qu'on a lancé cette formule. Le petit groupe qui s'était réuni pour réfléchir à l'organisation s'était dit, mais comment on va faire pour attirer des gens? Parce que le but, c'est pas faire une assemblée générale où on est juste que quelques-uns. Donc comment on fait
pour attirer le maximum de personnes. Et on avait beaucoup hésité. Certains disaient qu'il faut vraiment des choses qui soient un peu sexy, il faut que ce soit très convivial, il faut que ce soit pas trop sérieux. Et puis il y avait un autre groupe qui disait mais non, après tout une assemblée générale c'est quand même un temps important dans la vie d'une organisation démocratique, et donc il faut absolument qu'on y parle de choses sérieuses et qu'on puisse aborder des sujets de fond. Et puis comme d'habitude en Belgique, on trouve un consensus. On a trouvé quelque chose d'intermédiaire où on a, j'espère, trouvé le bon équilibre entre la convivialité, le plaisir de se retrouver, de faire des échanges. Beaucoup d'entre vous ont la possibilité aujourd'hui de rencontrer de nouvelles personnes, et c'est pour nous extrêmement important. Mais en même temps, on ne voulait pas faire l'économie d'aborder un certain nombre de sujets de fond comme nous l'avons fait. Et donc, cette fois-ci, on a relevé un petit peu le défi aussi parce que du fait du passage formel en coopérative, il y a toute cette dimension formelle que nous allons subir pour certains ou apprécier pour d'autres, qui passe par un certain nombre de décisions et de résolutions. Et donc, comme on a souhaité aussi que ce soit accessible au plus grand nombre, y compris à des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, eh bien, on a mis en place un système de vote électronique à distance. Donc, ça nous a obligés, et c'est une bonne chose, à peut-être mieux préparer et mieux diffuser l'information. Les documents financiers ont été déjà transmis, le rapport d'activité et surtout les candidatures au CA. Alors, je sais que j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais quand même encore dire quelques mots au sujet de ces candidatures au CA. Nous avons pensé simplement qu'il ne serait pas suffisant de donner des noms, comme ça se fait lorsque l'on est dans une petite association où tout le monde se connaît et où on peut, d'une certaine manière, juste lever la main pour dire « je suis candidat » et comme tout le monde connaît tout le monde, c'est suffisant pour pouvoir faire un choix. Eh bien, comme nous sommes déjà plus de 10 000 sociétaires, on a pensé qu'il fallait trouver un système pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité en proposant des interviews que vous avez, j'espère, apprécié et découvert, qui donne à chacun le moyen de se présenter, d'expliquer ses motivations par rapport à Smart. Autre changement notoire, l'organisation de la votation par voie électronique et la possibilité pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à Bruxelles de nous suivre en direct live pendant le temps formel de l'Assemblée Générale. Un merci à nos amis de la Régie TV qui nous ont permis de réaliser tout cela, de leur présence à nos côtés pour ces aspects qui sont nouveaux pour nous. L'avantage est que cela nous oblige à tout cadrer, donc à mieux anticiper. L'inconvénient, c'est que nous sommes tenus de respecter un timing précis qui doit permettre de faire coïncider les différentes présentations, les votations à distance et la transmission en Web TV. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Ma collègue flamande me rappelle de vous rappeler qu'il y a des traductions du néerlandais vers le français et du français vers le néerlandais. Donc, n'hésitez pas à prendre un casque là-bas dans le coin. Et vers l'anglais aussi, on me dit. Voilà. Je vais juste vous présenter en deux secondes l'ordre du jour de cet AG. On va d'abord vous présenter le rapport d'activité 2016 et les perspectives pour 2017 pour le groupe Smart. C'est Sandrino et Frisia qui vont vous présenter ça ensemble. Ensuite, il y a une présentation des comptes et bilans, de nouveau, de tout le groupe Smart, présenté par Nicolas Wallet et Thomas Blondale, qui sont ici devant. Ensuite, on va vous proposer les quatre groupes de travail participatifs. Je vous expliquerai un peu plus à ce moment-là, qu'on propose de mettre en œuvre à partir de la rentrée en septembre. Ce sera Neil et moi qui vous présenterons ça. Et ensuite, Sophie Bodarway vous présentera la procédure d'élection du conseil d'administration.
et les votes seront clôturés à 17h, comme on vous l'a annoncé. Ensuite, on met au vote les quatre résolutions prévues, qui ont tout rapport avec cet ordre du jour, et on vous livre les résultats des votes dans la foulée. Voilà, je vais relaisser la parole à Sandrino et à Frisia pour le rapport d'activité et les perspectives 2017. Alors, je ferai un mix en néerlandais et en français. En fait, on a un super rapport d'activité grâce à notre collègue Carmelo, qui nous a fait un super travail. Et en 2016, on a beaucoup travaillé. Et en fait, on a retenu quelques grandes lignes, donc les principales réalisations, quelques chiffres clés, pas les chiffres en détail, mais des chiffres symboliques. Comme vous le savez, Smart existe en Belgique, mais aussi dans 8 autres pays européens. Donc, on va vous expliquer cela aussi. Et puis, on est ici pour l'Assemblée générale de Smart Coop. Donc, on vous explique un peu le processus du passage en coopératif. Dus vier grote punten, wat we het voorbije jaar hebben gedaan. Enkele symbolische cijfers, de internationale ontwikkeling, de Europese ontwikkeling van Smart en de transformatie van een VZW-stichting naar een coöperatie die een heel proces heeft teweeggebracht. Alors, pour résumer le rapport d'activité que vous trouvez dans votre beau sac en français ou en néerlandais, c'est très difficile, mais on a quand même choisi quelques points. Ben ici, tout d'abord, on se trouve dans la COP. La COP, c'est le coworking de Smart et de Coop City. Leurs bureaux sont devant. C'est un nouvel accueil pour tous et c'est une salle de coworking où vous pouvez venir travailler avec votre ordi. Il y a une photocopieuse, il y a du café, il y a la cour et il y a nous pour vous aider. Formateur associé, Verenigde Opleidingen, is een aparte VZW binnen de entiteiten van Smart om onze leden die bezig zijn met opleidingen, die les formateurs, les membres formateurs, qui sont nombreux chez Smart, qui peuvent spécialement développer leur activité via cette ASBL-là. Un accompagnement plus économique des conseillers vers nos membres. Donc, il y a des nouveaux sujets qui sont traités, le e-commerce, le coaching communication, les coursiers vélo. Donc, beaucoup de sujets qui sont nouveaux pour nous, pour vous et un peu dans la société aussi, mais qu'on accompagne et qu'on suit de très près. Et un laatste punt is onze erkenning voor onze expertise. La reconnaissance de notre expertise dans plusieurs domaines, l'ubérisation du travail, les plateformes coopératives. On est intervenu à plusieurs reprises à la Commission européenne, donc on a suivi beaucoup de conférences, on a été invité à beaucoup de conférences et ça nous fait très plaisir. Juste à ajouter, on a oublié un point dans les événements importants en 2016 d'évoquer, c'est que nous avons mené un processus de discussion avec les plateformes de livraison Take It Easy et Deliveroo. Take It Easy n'existe plus, mais Deliveroo existe encore. Et donc nous avons signé le 1er avril 2016, ce n'était pas un poisson d'avril, une convention avec ces plateformes qui permet de garantir de nouveaux droits à l'ensemble des coursiers à vélo qui travaillent pour ces plateformes, notamment la certitude d'être payés pendant leur temps de prestation, même s'ils n'ont pas de course, des indemnisations pour l'utilisation de leur GSM ou de leur vélo, un certain nombre de choses très concrètes qui ont permis un tout petit peu d'améliorer la situation de ces nouveaux travailleurs qui ont rejoint la coopérative Smart. Alors, quelques éléments sur les chiffres clés, un nombre important de nouveaux membres qui continuent à arriver chez Smart. Aussi, ça c'est important aussi de dire, puisque même s'il y a près de 30 000 personnes qui ont utilisé les services au cours de l'année 2016, le travail cumulé de nos membres représente quand même
un peu plus de 2700 équivalents temps plein. Et donc, Smart, d'une certaine manière, est devenu l'employeur de, d'un certain nombre de travailleurs qui, ensemble, représentent plus de ces 2700 équivalents temps plein. Nous avons 178 collègues, c'est-à-dire des personnes qui travaillent au service de l'ensemble de, des membres, dont 72 conseillers. Ça, c'est aussi une nouveauté, c'est que nous avons pas mal augmenté le nombre de conseillers, c'est-à-dire de personnes disponibles pour accueillir, informer, accompagner et conseiller tous les membres. Et puis, nous poursuivons le travail que nous menons depuis quelques années dans l'idée de partager des espaces de travail avec cette communauté qui grandit, notamment au travers l'animation directe ou indirecte d'espaces de travail mutualisés. Ça prend la forme d'espaces de coworking comme ici à la COP, mais également d'autres formes d'espaces de travail, des ateliers partagés comme à la BAF, Bruxelles Art Factory, à la Vallée qui connaît un succès grandissant. Je crois qu'il y a un peu plus maintenant de 130 personnes qui se sont installées à la Vallée, donc notre deuxième site à Bruxelles, au centre des Belleneux à Mons, le centre créatif des tanneurs qui était un peu le pionnier dans ce domaine-là à Liège, et l'espace Audan qui est tout dernier espace ouvert à Charleroi. Alors, un slide très bref sur le développement international européen. Donc, vous voyez affiché là tous les pays où Smart a des partenariats avec des structures existantes et qui sont en plein de croissance. Tous nos collègues européens sont présents, donc n'hésitez pas à nous poser la question de les rencontrer. Ils sont là aujourd'hui et voilà, on continue ce travail dans ces pays-là et peut-être qu'au futur, il y en aura beaucoup plus qui vont s'ajouter. Alors, sur le passage en coopérative, c'est un processus qui prend du temps, qui est long. Comme vous le savez, la dernière assemblée générale de juin 2016, avec cette première journée, l'ESCOP a été un moment important où nous avons découvert un peu les résultats du processus participatif Smart in Progress avec les orientations du nouveau projet Smart 2020 et la première ébauche des statuts de la coopérative qui ont donné lieu à plusieurs moments d'échange et de rencontres avec des juristes, avec certains de nos membres, de nos collègues, et tout ça pour aboutir à un dépôt des statuts à la fin de l'année 2016. Je ne sais plus si c'est octobre, j'ai vu octobre ici, mais c'était peut-être début novembre, je ne me souviens plus. L'agrément par le Conseil national de la coopération qui est arrivé en mars. Également vous dire que c'est uniquement à partir du 1er janvier 2017 que la mise en place de l'accès au sociétariat a été rendue possible. Nous avons fini par opter pour la forme juridique de société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale. Voilà pour le rapport d'activité 2016. On va parler chiffres maintenant. Et je vous livre donc Nicolas Wallet et Thomas Blondel. Bonjour. Nous avons décidé de vous présenter donc les chiffres consolidés du groupe Smart qui vous ont été remis donc ceci dans le rapport d'activité. Les comptes consolidés, ça veut dire quoi? C'est que ça regroupe l'ensemble de l'activité, de l'ensemble des entités de Smart. Sans rentrer dans le détail, Smart comporte 12 entités juridiques et donc ici il s'agit d'un travail de consolidation. Et nous avons distingué dans un premier temps en fait le budget d'activité des membres, parce qu'on estime qu'il y a un intérêt en fait ici à regarder d'un côté l'activité économique qui est portée par les gens qui œuvrent au sein de Smart en qualité de membre, et d'un autre côté d'observer plus précisément le budget que Smart utilise pour son fonctionnement interne.
Thomas et moi allons faire quelques commentaires en français puis en néerlandais pour vous permettre la compréhension. Ce qu'on peut regarder facile, donc ici les chiffres sont exprimés en milliers d'euros, petite précision utile. Le chiffre d'affaires global de l'activité de nos membres a augmenté d'un peu plus de 10% sur l'année 2016, et c'est quelque chose d'assez important et qui mérite d'être souligné. Ce que l'on peut voir dans un premier temps, la distinction entre le chiffre d'affaires qui est lié à ce qu'on appelle les activités chez Smart, donc des activités qui sont semblables à des micro-entreprises hébergées chez Smart, qui se renforcent chemin faisant. D'année en année, on est à hauteur de 60% cette année. Juste pour rappel, en 2013, on en était à moins de 50% de cette proportion de chiffre d'affaires réalisé sous forme d'activité. Donc, un peu plus de 81 millions d'euros en 2016 et 55 millions d'euros pour les contrats de travail, 55 millions d'euros. Het Nederlands gaat dat allemaal veel rapper gaan, dus maak je geen zorgen. De eerste belangrijke vaststelling in de cijfers is te maken dat we opnieuw een fikse stijging hebben en dat we vooral die stijging waarnemen binnen de toolactiviteiten. Dus de toolactiviteiten waarbinnen dan mensen hun eigen budget beheren, is belangrijker geworden ten opzichte van de toolcontracten. Zelfs in die mate dat hij nu 60%, bijna 60% vertegenwoordigt van de gedraaide omzet eigenlijk. Oui, Thomas est beaucoup plus concis que moi. Désolé. Non, si tu veux bien juste revenir, j'ai pas terminé. Un autre point important à signaler ici dans l'évolution du budget de nos membres, c'est le budget qui a été non consommé sur l'année. C'est l'avant-dernière ligne ici qui est à 2,9 millions cette année, là où elle était beaucoup plus faible l'an passé. Et on peut y voir, alors ça mériterait une étude bien plus en profondeur, mais on peut y voir l'effet de l'arrivée de nouvelles activités. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, lorsque l'on fait nos comptes, on constate qu'il y a pas loin de 3 millions d'euros qui sont encore à engager par nos membres dans le cadre de leur de salaire, de frais qu'ils vont engager sur l'année suivante. We hebben het er vanmorgen ook over gehad bij de mensen die het atelier gevolgd hebben over de cijfers. Het voorlaatste lijntje eigenlijk, dus het budget non-consumé of ongebruikt budget in Nederlands is ferm gestegen van 2015 ten opzichte, of in 2016 liever, ten opzichte van 2015, tot bijna 3 miljoen euro. En daar gaat het over het budget dat nog niet gebruikt werd op het einde van 2016 binnen die activiteitentool. Dus mensen die hun budget gefactureerd hadden binnen de activiteitentool die nog niet geconsumeerd werd, nog niet gebruikt werd om loon uit te betalen. En dat is te verklaren doordat er heel veel activiteiten opgestart zijn op het einde van het jaar, die dus reeds facturaties gedaan hebben naar klanten, maar die dat nog niet gebruikt hebben om loon uit te betalen, nog om kosten uit te keren. Le budget de la structure Smart s'établit comme tel. Donc, les points remarquables sur cette année, c'est le modèle économique de Smart qui est sensiblement similaire à celui de 2015. J'entends par modèle économique la nature de nos produits principaux, là où nous tirons nos principales sources de revenus. Et ce modèle économique, il se stabilise autour de deux piliers principaux, que sont bien entendu les 6,5%, mais également l'ensemble des sommes qui sont perçues au titre des réductions de charges de type ONSS ou des contrats négociés auprès de nos partenaires, notamment auprès des assurances. De belangrijkste bron van inkomsten voor Smart is de bovenste kolom eigenlijk, bron van inkomsten, zijn en blijven de 6,5% die we als beheerskost innen op alle facturaties. En daarnaast een even grote bron van inkomsten, of zelfs iets grotere bron van inkomsten, tegenwoordig is zijn de retours van geld eigenlijk die we krijgen in gevolge het gemeenschappelijk beheer van de fondsen. Dat wil zeggen, als we eigenlijk de teruggave van sociale lasten die betaald werden, dus de sociale lasten die berekend werden per prestatie, die worden teruggegeven per trimester. Die retours daarvan die vormen een even belangrijke bron van inkomsten voor de coöperatie als als de beheerskost zelf die we initieel afhouden op het facturatiebedrag. Autre remarque sur ce budget de fonctionnement, c'est qu'il est, il est stable. C'est-à-dire que l'ensemble de nos charges, le train de vie de Smart, on pourrait le qualifier comme ça de manière un peu,
un peu simpliste, il est stable en valeur et surtout par rapport au chiffre d'affaires qu'on dégage, par rapport aux 10% de croissance de l'activité des membres, ben, du coup, fatalement, il diminue. Et c'est plutôt un bon signe de réussir à... on a gagné en productivité, si on veut utiliser des gros mots. Als we kijken naar de kosten, zien we dat we iets efficiënter omspringen met de middelen. In die zin dat er in absolute cijfers uiteraard wel een stijging is van de kosten. Maar als we dat afwegen ten opzichte van de omzet die we ermee gedraaid hebben, zien we dat de kosten eigenlijk dalen in procenten ten opzichte van de omzet. Dus dat wil zeggen dat we de middelen beter besteed hebben, of dat we toch met de middelen, dezelfde middelen, ongeveer dezelfde middelen, een beter resultaat gedraaid hebben in 2016 ten opzichte van 2015. Une dernière remarque sur ce budget, c'est que l'amélioration de notre résultat, donc nous dégageons cette année un peu plus de 4 millions d'euros de résultats nets sur l'ensemble de nos entités, nous a permis d'améliorer notre trésorerie, hein, qui, on l'avait présenté sur les années d'avant, qui était un petit peu plus tendue, et donc fatalement nous a permis de diminuer les coûts financiers, c'est-à-dire nous sommes passés de 460 000 euros à 134 000 euros de frais financiers. C'est-à-dire que nous avons moins eu recours à l'emprunt. We zijn niet alleen feestelijk gezind vandaag omdat we 4 miljoen winst zien verschijnen daar op de resultatenrekening, maar ook omdat onze kasvoorziening eigenlijk veel beter is dan vroeger door een aantal hervormingen binnen de financiering of de manier waarop dat we dingen financieren. Beschikken we nu over meer cashmiddelen, waardoor dat we makkelijker kunnen voldoen aan onze schulden op korte termijn. Dus, voilà. Alors, la situation du bilan. 3 minutes. Ça va aller vite. La situation du passif. Bien évidemment, ça a été interverti. C'est pas grave. À l'actif. Ce que l'on peut remarquer, nous avons un investissement de... Nous investissons. Smart est une entreprise qui a besoin d'outils, d'outils informatiques et de locaux, etc. Donc ce que l'on peut remarquer ici, c'est nous avons un investissement qui est constant, c'est-à-dire qu'on maintient notre outil informatique que vous retrouvez dans cette première ligne, la 21, les immobilisations incorporelles. Ça montre l'investissement constant de Smart dans son outil informatique. L'investissement matériel que vous retrouverez dans les 22 et les constructions, c'est essentiellement les locaux qui ont été investis par Smart. Et ici, en particulier, des travaux ont été faits sur l'ensemble de l'îlot Saint-Gilles en 2016. Ce que l'on peut également voir dans l'ensemble de cet actif, c'est un petit peu plus bas dans l'actif circulant, les créances commerciales qui restent stable en valeur, c'est-à-dire qu'elles évoluent peu, alors que notre chiffre d'affaires augmente de 10%. Et donc c'est généralement plutôt un bon signe de constater dans une entreprise qu'on arrive à limiter l'argent qui est dehors, que nos clients nous doivent, au 31 décembre. Et en tout cas, en proportion du chiffre d'affaires, ça a sérieusement diminué. Ce que l'on peut ensuite constater, c'est que l'amélioration de la trésorerie ici qui se matérialise effectivement, en passant de 2,5 millions en 2015 à 7,7 millions en 2016. Balans aan de activa kant, dus alles eigenlijk wat dat in de onderneming zit aan actief materiaal, dat staat hier opgelijst. Daaruit kan je afleiden dat we verder blijven investeren in vast actief. Dus dat gaat zowel over immaterieel vast actief, en dan spreken we vooral over IT-voorzieningen, waarin dat er geïnvesteerd wordt, als in gebouwen, het gebouw in Luik, het gebouw hier. Alle investeringen die we doen om het gebouw proper te houden, bij wijze van spreken, en up-to-date te houden, zijn allemaal investeringen die je daar kunt terugvinden. Op 20 seconden hebben we dat niet gelopen. Het is van drie nog foto. Wat was het nog? Ja, en dan vooral inderdaad bij het vlotten actief. Missen 20 seconden. Bij het vlottend actief zien we vooral terug dat we inderdaad zowel onze cashflow dus verbeterd hebben. Dus bij die 55 bank van 2,5 miljoen naar 7,7 miljoen, dat is belangrijk. En ook dat onze créances commerciaal, dus de vorderingen die we hebben ten opzichte van onze klanten, de openstaande vorderingen, dat die ondanks de stijgende omzet ongeveer gelijk blijven. Dus dat is het belang van een goed debiteurenbeheer. Want uiteraard, dat is ook belangrijk dat we ervoor zorgen dat de facturen betaald geraken, zodat wij ook onze facturen kunnen betalen uiteraard. En voilà. Et donc,
Au passif, les quelques points remarquables, c'est l'amélioration de nos fonds propres. Donc la première ligne que vous voyez, patrimoine net, enfin la deuxième, pardon, patrimoine net qui passe de 3,4 millions à 7,5 millions. Là, c'est là où on voit l'effet d'avoir réalisé sur plusieurs années successives quelques bénéfices qui nous ont permis de solder les dettes que nous avions réalisées les années précédentes jusqu'en 2013. Donc c'est un très bon signe. Maintenant, on souhaite que ça puisse se poursuivre. Ce qu'on peut également remarquer très rapidement, un petit peu plus bas en fait, dans le tableau, ce sont les dettes à long terme, les dettes à plus d'un an et les dettes à un an, c'est-à-dire que Smart, pour les travaux qui ont été menés ici, n'a pas souhaité tout porter sur sa caisse et a été sollicité l'appui bancaire, mais également en fait, nous avons mobilisé quelques sources de financement à court terme qui ont été possibles grâce à l'amélioration de notre bilan. Donc, c'est-à-dire qu'on est tout à fait en capacité d'aller mobiliser de l'argent auprès d'un partenaire bancaire. Et dernière remarque, pardon, le tout dernier chiffre, 49, que vous voyez ici, représente l'ensemble de l'accumulation, en grande partie, l'accumulation fait des budgets membres qui sont non consommés. Donc vous voyez que ce chiffre, il évolue à la hausse, à la baisse chaque année. Cette année, il évolue à la hausse. Belangrijkste vaststellingen aan de passieve kant, dus eigenlijk de financiële kant van de onderneming, zijn vast te stellen dat we bij nummer 14 daar, dus de opgestapelde verliezen die we helaas geleden hadden in de afgelopen jaren, dat die verder weggewerkt worden, dus van min 5 miljoen naar nu min iets minder dan 1 miljoen euro, 920.000 euro. Dat we verder blijven investeren, blijkt ook uit de cijfers, als je kijkt naar de nummer 17 daar, schulden op meer dan 1 jaar, die blijven verhogen, dus dat zijn lange termijn financieringen eigenlijk bij de bank, die we gaan hebben om investeringen te blijven financieren. Het feit dat onze cashflow verbetert, wil ook zeggen dat we ten opzichte van die bank een betere positie hebben. Ondanks de betere cashflow hebben we er toch voor gekozen om een aantal korte termijn uitgaven te financieren met een externe lening. Dat zie je terug bij die nummer 42, de schulden op minder dan 1 jaar. Dus die zijn ook gestegen. Dus een aantal uitgaven hebben we toch gefinancierd met korte termijn leningen. En dan de laatste, op nummer 49, daar zie je dus wat dat er opgestapeld blijft op het einde van het jaar in de activiteiten. Dus het budget waar we daar juist over gesproken hadden, dat niet opgebruikt wordt binnen de activiteiten toe. Merci, dank u wel. On va d'abord faire questions-réponses. Merci Nicolas, merci Thomas. Les chiffres, hein, il y a toujours un côté un peu hypnotisant. Hein. Courage, bientôt l'apéro. Alors, on va maintenant prendre un temps pour des questions-réponses sur les deux présentations que vous venez d'entendre. Donc je contredis ma collègue Frisia de tout à l'heure. On va faire des questions-réponses dans le public, entre autres parce qu'on n'a pas de questions par SMS, déjà. Et donc, il y a quelque part Lisa qui est pourvue d'un micro. Voilà, formidable. J'ai vu un monsieur par là qui a levé la main pendant la présentation. Non, la question a été résolue. Formidable. Alors, qui a des questions sur ces deux présentations, sur le rapport d'activité 2016 et sur les chiffres? Là-bas. Cours, Lisa, cours. Ah, voilà, on fait passer le micro, c'est coopératif, c'est formidable. Très courte, Marie-Laure Lullet, très courte pour les comptes. J'ai pas entendu si les comptes avaient été audités par un auditeur indépendant. Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'on pourrait me confirmer que ça a été bien fait et que ça sera communiqué aux membres? Merci. Je sais pas où tu es là. Oui, ça a été fait en fait pour l'ensemble du groupe. Notre réviseur doit se joindre à nous dans le courant de la réunion. Donc oui, ça a été fait. Son rapport en fait nous est transmis. Et à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de remarques notoires. Voilà. Juste en complément, dire que c'est encore un peu la difficulté, c'est qu'on est aujourd'hui dans le temps formel de l'Assemblée générale de la coopérative, qui a eu que quelques semaines d'activité en 2016. C'est-à-dire que si on vous avait présenté les comptes de SmartCoop, ce à quoi on est tenu exclusivement, en fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas de mouvement. Donc c'est pour ça qu'on fait l'effort de présenter les comptes consolidés qui sont évidemment pas très simples à réaliser dans la forme de présentation assez simplifiée qui est celle qui vous est présentée.
voulais juste ajouter ça. Une autre question. Ici. Oui, bien sûr. C'est l'intervention de Sandrino qui m'a fait penser à une question. Est-ce que l'année prochaine, on présentera uniquement les comptes de SmartCoop? Ou est-ce que c'est aussi pour que les gens puissent savoir? Ou bien est-ce qu'on on présentera aussi les comptes de les autres, des autres entités qui continuent à exister? Je pense que ça n'a pas, ça n'a pas d'intérêt de regarder les comptes de SmartCoop si on ne regarde pas en même temps les comptes de l'ensemble des entités qui constituent le groupe. Puisque même si c'est un peu compliqué à faire, c'est vraiment comme cela qu'on arrive à avoir une idée précise et complète de l'ensemble des activités. Ces entités, souvent, elles existent pour des raisons purement juridiques ou de contraintes légales qui nous obligent à séparer certaines activités les unes des autres. Mais c'est quand même très important de considérer qu'il y a un seul et même projet et que on puisse regarder les choses globalement. Évidemment, ça ne nous empêche pas de publier les comptes séparés. Et donc, comme on l'a fait déjà l'année dernière, on avait à la fois publié les comptes consolidés à l'Assemblée Générale, mais en même temps, on avait publié à la fois sur notre site, mais aussi via les voies légales habituelles, les comptes de chacune des entités. Merci. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est aussi une question de transparence économique, de voir tous les comptes du groupe. Il y a une question là-bas, je vois. Ah, si les personnes qui posent une question pouvaient se lever, demande la Régie TV. Oui, je fais référence au tableau en page 21 des rapports annuels, pour être très précis. Il y a une chose que je relève, c'est les pertes liées aux faillites passent de 500 000 euros à 900 000 euros, plus 80%. Je suppose que c'est lié à ce qu'on trouve en page 26, c'est 340 000 euros principalement Take It Easy, que c'est ça qui fait la différence, et que le reste de l'augmentation est lié au fait que le chiffre d'affaires augmentant, la part des pertes liées aux faillites est relativement stable. Je dis relativement, bon, est-ce que j'ai raison sur ce point ? Exactement, bravo, félicitations. Voilà, ah bah, c'est, voilà merci. C'est deuxième chose, par contre, qui est... C'est juste pour aller jusqu'au bout, puisqu'on ne l'a pas différencié dans la présentation, mais c'est vrai que c'était une perte importante, même si on ne regrette pas, d'une certaine manière, parce que cette perte, elle a quand même permis à près de 350 jeunes, pour la plupart coursiers, d'être rémunérés pour leur travail, ce qui n'était pas le cas de leurs homologues parisiens. Ils sont 2500 à ne jamais avoir été payés pour le travail qu'ils ont réalisé. Mais pour le fonds de garantie Smart, ça a été une dépense d'environ 400 000 euros. Ok. C'est vrai qu'effectivement, pour 350, 340 000 euros, 1 000 euros pour un coursier à vélo, c'est pas rien. Voilà. L'autre chose qui m'interpelle, c'est quand je vois dans le produit, il y a un montant participation des membres aux frais mutualisés 6,5%, qui font 8 908 000, etc. Et qu'en fait, le coût du personnel permanent, 148 ETP, fait 8 886 000. Donc concrètement parlant, les 6,5% rapportent plus que le coût de 100% du personnel. Donc question, est-ce que dans le futur, tout le monde dit que c'est une question qui revient à chaque fois aussi, est-ce que le chiffre va éventuellement évoluer? Vous parlez aussi du fait d'éventuellement, que la question revient toujours, est-ce que ce pourcentage serait identique, quel que soit le montant, la taille des clients, si je puis dire ça aussi et tout. Je soulève la question. J'y répondrai pas maintenant. Le pourcentage identique. Alors, sur le principe du pourcentage identique, c'est effectivement des questions qui reviennent tout le temps. Est-ce que on ne ferait pas varier le pourcentage en fonction de critères? Bon, ça a fait l'objet d'un groupe de... c'était pas le seul sujet, mais il y a un groupe de travail sur le modèle économique qui s'est réuni pendant quelques mois dans le cadre de Smart in Progress, qui a été complété aussi par un sondage qui a été lancé auprès de nos membres en 2015. Et en gros, ce qu'il en ressort, c'est deux choses importantes. C'est un, ne bougeons pas le pourcentage,
Ça signifie quand même pour beaucoup ne pas l'augmenter. La deuxième chose qui ressort, c'est gardons ce pourcentage comme véritablement un outil de mutualisation, de redistribution solidaire, puisque aujourd'hui, grâce à ce système de pourcentage, nous adaptons pas nos services à la taille économique de nos membres. Et ça, c'est quand même quelque chose, effectivement, auquel nous tenions, mais Smart in Progress a conforté cette vision de la nécessité de véritablement poursuivre dans cette voie, qui est une voie qui n'est pas classique, mais qui est celle d'une organisation qui se veut solidaire. Merci pour cette question et votre lecture attentive du rapport d'activité. Notre collègue Carmelo appréciera. Puisque, oui, Marie-Laure, il fait trop chaud. Puisque Sandrino a repris la parole, il semblerait que les membres de Smart ne dépensent pas assez leur argent bloqué sur les comptes d'activité, et cela maintenant à hauteur de quelques millions. Est-ce qu'il est dans la stratégie de Smart, dans le courant de l'année, de faire des propositions par rapport à ces masses financières qui sont immobilisées, quelque part, en proposant aux membres des options? Voilà. Encore une fois, c'est des sujets qui reviennent régulièrement. Quand même rappeler que même si on est content que ça ait un peu augmenté, l'ensemble de la trésorerie, qui est en grande partie constituée de ces réserves individuelles, elle reste encore aujourd'hui assez faible. C'est-à-dire que il n'est pas tout à fait normal dans une organisation où il y a des flux financiers aussi importants que ceux que nous avons, que nous n'ayons pas un niveau de trésorerie qui soit bien supérieur. C'est-à-dire, c'est pas normal on a quand même un niveau de trésorerie qui est insuffisant par rapport au niveau de chiffre d'affaires. Donc, évidemment, ça, c'est important. Alors, l'idée que je comprends aussi dans ta question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme possible d'individualisation des incitants ou qui permettrait d'une certaine manière de récompenser ceux qui permettent à Smart d'avoir de la trésorerie. Encore une fois, c'est pas du tout dans cette direction que est remonté les groupes de travail sur le modèle économique, sur ces questions. Ça a toujours été la dimension collective et pas aller vers plus d'individualisation, mais évidemment, dans un projet aussi vivant que celui de Smart, il n'y a jamais aucune question qui peut être définitivement traitée. On peut toujours continuer, je crois, à discuter. C'est un sujet intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite pour rappeler, il est 16h33. Les votes se clôturent à 17h. Donc, en raison de la contrainte technique qu'on vous a expliquée tout à l'heure, on peut voter que jusqu'à 17h. Or, on est un peu en retard sur l'AG. Donc, soyez bien conscients qu'avec votre téléphone, dans le bureau de vote, avec un ordinateur, vous devez voter avant 17h pour les quatre résolutions. Donc, on est un peu dans une contrainte technique qui est un peu en décalage par rapport au retard qu'on a ici dans l'AG. Mais donc, je le rappelle encore bien maintenant, il vous reste un peu plus de 20 minutes pour voter. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les comptes et le rapport d'activité? Ici, juste devant. Moi, je voudrais poser juste une question par rapport à l'excédentaire de trésorerie. Vous avez des membres qui sont en attente. Est-ce que dans l'avenir, si ça augmente, vous n'allez pas être imposé inutilement sur ces capitaux? Est-ce que vous faites des provisions pour... je vois. Alors, j'ai compris. Voilà, merci. La réponse par langage corporel de Sandrino est oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Très bien. Alors, on passe à la suite maintenant.
Donc on a fait référence quelquefois au processus Smart in Progress qui est en cours depuis 2015, qui était un processus participatif de redéfinition de tout le projet Smart auquel toutes les parties prenantes étaient invitées à participer, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les membres utilisateurs du service, les clients de Smart, les partenaires de Smart, les employés permanents de Smart. Ce processus avait donné lieu à 4 groupes de travail qui ont travaillé pendant plusieurs mois sur 4 grandes thématiques. Juste pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y avait un groupe de travail sur le modèle économique de Smart, un groupe de travail sur les publics cibles de Smart, un groupe de travail sur la gouvernance, comment gouverner la coopérative, et un groupe de travail sur la palette des services, la redéfinition de la palette des services Smart. Ces groupes de travail ont accouché de recommandations. Un carnet des 37 recommandations a été édité et a servi, entre autres, à rédiger le document stratégique Smart 2020, donc sur les 4 ans de développement stratégique de Smart entre 2016 et 2020. Une des recommandations un peu transversales de ces groupes de travail a été une demande claire de la part des participants que ce travail, Smart in Progress, se poursuive, donc devienne une sorte de Smart in Progress permanent, ce travail de redéfinition et de réflexion sur le projet. Donc on va vous proposer ici 4 groupes de travail qu'on voudrait mettre en œuvre à partir de la rentrée en septembre, de nouveau composés de toutes les parties prenantes de Smart, donc multisociétaires, des groupes de travail qui auront vocation à travailler de manière, disons, permanente, en tout cas jusqu'à ce que ces groupes de travail, leur vie ait un sens, si vous voulez, et produisent également des recommandations pour la mise en œuvre des mutations qui sont en cours dans le projet Smart. Je passe la parole à ma collègue Nele Roskams. Dus in 2015 zijn er in het kader van het proces Smart in Progress een aantal werkgroepen opgericht die rond 4 thema's draaiden en waar dat heel wat partners, leden, klanten aan deelgenomen hebben. Een heel heterogene groep. Rond 4 thema's, eventjes opsommen, het economisch model van Smart. Wat voor soort bestuur of wat voor soort governance willen we voor de toekomst? Welke diensten en met welk soort publiek? En het was een van de expliciete vragen van die werkgroepen die daarna aanbevelingen hebben gedaan aan de directie om Smart in Progress eigenlijk permanent te maken en dus ook het reflectieproces verder te blijven zetten. En vandaar dus het voorstel om 4 nieuwe werkgroepen op te richten rond 4 nieuwe thema's die ook al in die werkgroepen expliciet vermeld worden als interessant. Ik vernoem eventjes kort de werkgroepen. Daarna zullen de begeleiders een beetje meer in detail gaan. 4 werkgroepen, eentje rond het ethisch comité. Een ethisch comité oprichten waarvoor, met wie en met welke legitimiteit doen we dat. Een werkgroep rond economische en financiële transparantie. Hoe kunnen we iedereen betrouwbare en begrijpelijke informatie meegeven? Een werkgroep rond de vertegenwoordiging van Smart. Kunnen we onze vennoten ambassadeurs maken? Hoe kiezen we die toekomstige woordvoerders? Welke opleiding hebben ze nodig? Welke informatie? En een vierde werkgroep ten laatste over het verbeteren van onze informatietools. Van hoe kunnen we de leden en partners meebetrekken in het verbeteren van die informatietools en bij het ontwerp van nieuwe toepassingen. De werkgroepen zouden een permanent karakter hebben voor zowel de missie nog relevant is voor de coöperatie. En hun eerste missie zal zijn om het kader, de doelstellingen en hun werkmethode uit te vinden. En de bedoeling is ook dat het een heterogene werkgroep wordt, met verschillende categorieën van vennoten vertegenwoordigd. En we voorzien ook een tweetalige werkgroepen, in die zin dat we een passieve tweetaligheid willen hanteren. Dus ieder spreekt zijn eigen taal en de groepen zouden starten in september 2017. Voilà, en ik geef nu graag eventjes het woord aan de 4 begeleiders van de werkgroepen, zodanig dat ze zichzelf eventjes kunnen voorstellen en wat in detail gaan over het thema.
J'ai juste oublié de préciser quelque chose pour bien comprendre la différence entre les workshops de la première phase Smart in Progress et ceux-ci. Les workshops de la première phase Smart in Progress avaient vocation de préconisation et de recommandation à l'attention du CA de Smart sur la forme que doit prendre la redéfinition du projet. Maintenant qu'on a cette forme, que cette redéfinition du projet a été écrite, les quatre groupes de travail qu'on propose actuellement sont plus des groupes de travail de mise en œuvre ou d'exécution de ces changements qui sont annoncés dans le plan stratégique. Je dois même pas les citer en français, ils ont apparu comme par miracle en français derrière moi. Donc vous les voyez là, ces quatre groupes de travail qu'on propose, un comité éthique, un outil de transparence économique et financière, la représentation de Smart et l'amélioration de nos outils informatiques. Donc nous avons en interne quatre jeunes, beaux et dynamiques animateurs de groupes de travail dont nous avons la chance qu'ils soient présents. On va donc vous les présenter, ils vont se présenter de manière entre autres à ce que vous puissiez les identifier et vous porter candidat si ça vous intéresse, parce que c'est ça le but aussi de présenter ces groupes de travail ici, c'est déjà de les soumettre à votre approbation et aussi que vous puissiez candidater pour le sujet qui vous intéresse pour faire partie des groupes de travail chez un de nos quatre camarades animateurs. Misschien nog eventjes zeggen dat mensen die geïnteresseerd zijn om in een van de werkgroepen mee te werken, al meteen zich kunnen kandidaat stellen door een mailtje te sturen naar een van de begeleiders of naar het algemeen adres smartinprogress@smartbeien.be. Ladies first. Pour le groupe comité éthique, Sarah de Heuche. Bonjour à tous, donc moi c'est Sarah. Si ce groupe vous intéresse, c'est moi qu'il faut contacter au mail ris@smartbe.be. Donc le titre n'est pas super fun et ça rappelle plus la censure et le puritanisme qu'autre chose, mais je vous rassure, on est chez Smart et l'idée c'est de travailler dans l'ouverture le plus possible. Donc, pour reprendre un peu les recommandations de l'année dernière, cette idée d'un comité éthique vient du groupe de travail devenir une coopérative pour qui et avec qui. Et parmi les moult recommandations qui ont été proposées dans ce groupe de travail, une qui a quand même été souvent répétée, c'était l'idée de créer ce comité éthique et moral. Pour permettre un peu de mettre de l'ordre dans certains métiers qui peuvent être un peu sur le fil, on va dire, mais ça peut être des métiers, ça peut être par exemple, je sais pas, le travail autour du le travail du travailleur du sexe, enfin ou proche de, comme les striptease, il y a des questions qui se posent sur les stripteaseuses, mais ça peut être aussi de l'environnement. C'est à nous à voir ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous semble important au sein de Smart de travailler au niveau de définir comme métier acceptable ou pas d'un point de vue moral et éthique. Et donc dans l'ouverture, je vous l'assure. On voudrait vraiment que ce groupe rassemble des membres, des permanents, des donneurs d'ordre, et on veut aussi travailler avec des associations qui traiteront des sujets qu'on décidera de traiter. Et tout ça, c'est à co-construire tous ensemble. Voilà. Merci Sarah. Après le sexe, l'argent. Vous commencez à le connaître, il a des dollars dans les yeux, le bien nommé Nicolas Wallet. Bon, tout est dit. Oui, ça va être très difficile, Sarah, de passer après toi pour essayer de convaincre des gens de venir participer à un groupe sur les outils économiques et financiers. Là, vraiment, je ne te remercie pas. Donc, je suis Nicolas Wallet, je suis directeur administratif et financier ici à Smart Belgique et en appui aux différents Smart Europe sur cette même dimension économique et financière. Et ce n'est pas la seule chose que je sais faire, mais il se trouve que c'est ce que je fais ici. Non, mais ça me semble assez explicite. En fait, la proposition qui est faite ici, c'est qu'on a, avec certains d'entre vous, dans la journée, animé des petits ateliers présentant les chiffres de Smart pour les nuls. À titre d'introduction sur le tour de l'humour, j'ai dit que c'était aussi les chiffres de Smart par les nuls, parce que j'estime qu'il y a, dans la présentation qu'on en fait beaucoup d'améliorations à apporter pour qu'il soit beaucoup plus compréhensible, transparent, lisible. Le groupe Smart n'est pas quelque chose de facile à lire sur le plan économique et financier. Et donc, je serais vraiment ravi d'avoir la participation de certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous, pour travailler à cela. Merci. Merci Nicolas. Alors, pour parler de représentation,
il s'est mis sur son 31. Si, si, je vous jure. Olivier Lesclés. Voilà, bonjour. Il faut savoir que Smart, depuis presque 15 ans, n'a presque jamais fait de publicité. Et depuis quelques années, enfin, on a toujours été actif dans des dialogues sur les milieux artistiques par le passé, sur les mutations du monde du travail, sur les modèles coopératifs. Et donc, on reçoit énormément d'invitations à des colloques, à des participations, à des groupes de travail, etc. On donne aussi beaucoup de sessions d'information. On nous demande d'en donner plus. Et donc, qu'est-ce qui ne pourrait être mieux que de demander à des gens de nous aider? Et qui pourrait mieux parler de Smart que quelqu'un qui l'utilise, que ce soit en tant que membre utilisateur ou même en tant que client? Et donc, pour aussi accroître le sentiment de communauté, je trouve intéressant de pouvoir organiser un cadre de travail, parce que là, on parlera plus de travail. On va missionner des gens qui vont peut-être aller à la... Voilà, si on nous demande d'aller au rassemblement des compositeurs de musique de film à Cannes pour parler de Smart, bah, ok, on pourra en parler, mais si on nous pose une question sur la composition de musique de film, on ne pourra certainement pas le faire. Alors que peut-être que dans nos membres, il y a quelqu'un qui est convaincu de l'utilité de Smart, qui aime en parler et qui pourrait faire ça pour nous. Et donc, il y a beaucoup de choses à organiser. Ça me motive assez bien. Et donc, si vous voulez travailler avec moi, ben, vous avez mon mail. Et il y a beaucoup de choses à construire qui me paraissent intéressantes. Voilà. Merci, Oli. Et pour l'amélioration de nos outils informatiques, un être hybride, il comprend assez bien les ordinateurs et les êtres humains également. Stefano Vicenzi. Merci. Bien. L'intitulé de ce groupe de travail s'appelle « La participation de nos utilisateurs à l'amélioration de nos outils informatiques. Quels sont les espaces de dialogue à inventer et à organiser ?» L'informatique, sujet aride et pas très sexy. Souvent, quand on demande à l'informatique « Je voudrais avoir une voiture, quatre roues, un volant, rouge et un petit logo jaune devant. » L'utilisateur final voit ça, pense à ça. L'informatique travaille et il leur offre ça. Alors, si vous ne voyez pas le logo jaune, il se trouve là. Pour éviter ce genre de hiatus, ce genre de d'écart entre la demande et l'offre de produits informatiques, ce groupe de travail a pour mission, pour objectif, de justement rapprocher les utilisateurs de l'informatique de l'informatique. Sortir les informaticiens de leur tour d'ivoire, comme on a l'habitude de les considérer, pour les mettre au contact avec les utilisateurs, quels qu'ils soient internes ou externes, conseillers ou membres utilisateurs à l'externe de nos outils informatiques. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de travailler comme on a travaillé dans le groupe de travail de ce matin. C'est de manière très collaborative, de manière très dynamique, de manière participative. Et voilà, si vous êtes intéressé, vous avez mon adresse email. Et je vous invite à... Parce que je pense que l'informatique touche tout le monde et touchera de plus en plus de monde dans la manière de travailler. Donc, je pense que c'est un sujet qui est extraordinairement pertinent et chaud. Voilà, j'ai dit. Super, merci Stefano, merci à tous les quatre. Vous n'hésitez pas donc à les contacter si vous êtes intéressé. Alors, il y a un petit vent d'effervescence. Ici, il se passe une chose. Nous avons une question par SMS. On est tous un peu excités. Est-ce qu'il est possible de participer à plusieurs groupes? Merci. Non. Voilà. Non, donc c'est une question à laquelle on n'a pas réfléchi à l'avance. Très certainement, cette personne peut nous contacter pour discuter avec nous de quel serait le groupe le plus pertinent pour elle. C'est quand même des groupes de travail qui vont demander une certaine implication. Hein. C'est quand même des groupes de travail qui vont travailler sur du long terme, avec des moments entre les groupes de travail, entre les réunions, des moments d'information, de documentation, d'échange d'expérience, de renseignements. Donc ça va quand même demander une certaine implication en temps et en énergie. Donc ça me semble peut-être compliqué de combiner plusieurs groupes, mais on n'a pas spécialement fermé la porte à la base.
Il y a une question là-bas. Est-ce qu'on a encore le micro? Alors, combien de fois par mois ou par semaine? On ne l'a pas du tout défini. Pourquoi? Parce que la première mission de ces quatre groupes sera d'auto-définir leur méthodologie, leur mission, leur manière de travailler, en accord avec le nouveau conseil d'administration, évidemment, en discussion avec le nouveau conseil d'administration. Mais voilà, ce sera la première mission de ces groupes-là. Ce sera de, ensemble, définir comment ils vont travailler, à quelle fréquence ils vont se réunir, avec quelle méthode, etc. Voilà. Oui. Quoi? Où? Qui était là d'accord? Qui était là d'abord? Non, il y a Dorothée là-bas. C'est ouvert aux étrangers, tu demandes. Aux Français, par exemple. Oui, bien sûr. Bien sûr. On a un administrateur délégué qui n'est pas tout à fait belge, déjà. C'était Pierre. Je vais laisser un peu Néle parler, d'ailleurs. Néle, quel pouvoir auront ces groupes de travail, demande Pierre. De bedoeling is dat een kort antwoord in het Nederlands is dat de bedoeling is dat ze samenwerken met de raad van bestuur en voorstellen doen en in partenariat eigenlijk. Je crois que le but est de travailler en partenariat avec le nouveau conseil d'administration et de proposer et de travailler ensemble. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Est-ce que c'est une réponse? Oui. Max? Que ce soit pour le comité éthique, mais aussi pour le quatrième, l'amélioration des outils. Je voulais savoir, concrètement, c'est un groupe de travail sur le comité éthique, donc un groupe de travail qui va définir comment créer un comité éthique, où les gens postulent pour faire partie d'un comité éthique, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est ce que les gens veulent être le comité éthique et définir comment ils vont travailler en tant que comité éthique, ou est-ce que c'est des gens qui se demandent à quoi ressemblerait un comité éthique chez Smart? Je crois que c'est les deux. D'abord, les groupes vont déterminer comment ils vont travailler, quels seront le cadre et les objectifs de ce comité éthique. Et puis, par la suite, le groupe peut se pérenniser. Et voilà, il y a peut-être d'autres gens qui veulent s'impliquer là-dedans. Et donc le premier étape, c'est de faire le cadre ce comité éthique. C'est un peu les deux, mais c'est déjà créer le comité éthique. Donc, c'est vraiment postuler pour être dans le comité éthique. Mais la première phase, ce sera de définir le cadre, la méthodologie, les objectifs. Et peut-être qu'une fois cette phase-là sera définie, je ne sais pas, il y en aura peut-être qui se lasseront. Il y en aura d'autres qui, du coup, seront intéressés à intégrer le groupe. Voilà, tout ça peut être assez... assez organique. Il est 16h53. Il vous reste 7 minutes pour voter. S'il n'y a plus de questions sur les groupes de travail, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur les groupes de travail. Non ? Alors je vais laisser Sophie Bodaroué vous expliquer la méthodologie pour le vote et les pondérations dans le cadre de l'élection du CA. C'est assez technique, assez complexe, mais Sophie est docteur en mathématiques. Donc voilà, donc je vais vous présenter comment le conseil d'administration va se constituer. Donc, comme Sandrino l'a expliqué tout à l'heure, la candidature était ouverte à tous et toutes les sociétaires. Donc on a ouvert un formulaire en ligne sur notre site le 24 avril et on a clôturé ça le 15 juin, donc ça fait un peu moins de 2 mois pour porter sa candidature. Aujourd'hui donc, comme le délai est clôturé, on est face à 35 administrateurs que vous avez pu peut-être rencontrer tout au long de la journée. Vous avez pu voir, il y a des petits cahiers qui ont circulé sur le site ou dans le bureau de sondage, vous avez pu voir leurs fiches, donc c'est ce qui se retrouve sur le site aussi. Donc en fait, on a prévu ce formulaire de candidature sur base de quelques questions brèves, parce qu'on se doutait, enfin on espérait quand même avoir plusieurs candidatures, et donc l'idée c'était que vous, en tant que sociétaire, vous n'ayez pas des tonnes et des tonnes de lectures à faire et que vous puissiez vous faire rapidement une idée sur les personnes qui se présentaient. Et donc on a posé des questions assez simples et qui pouvaient quand même orienter vos choix. Il y avait la présentation de la personne, évidemment.
On demandait quelles étaient les motivations à intégrer le conseil d'administration de Smart, quelles compétences ils pouvaient apporter et quelle était la vision du futur. Voilà. Donc ça nous a semblé être les points les plus pertinents pour pouvoir émettre un choix. Donc aujourd'hui, 35 candidats. De catégorie A, on se retrouve avec 22 personnes. Catégorie A, on le rappelle, c'est les utilisateurs. Et catégorie B, on se retrouve donc avec 13 personnes qui sont réparties... je vais préciser pour les catégories A, il y a 6 femmes et 16 hommes. La question du genre est importante, comme vous le savez certainement, parce qu'il y a une spécification dans les statuts que je vais expliquer. Je reprends, la catégorie B est composée de 13 personnes, dont 6 personnes morales, c'est-à-dire des personnes qui se présentent pour représenter une structure. Donc ce sont des personnes qui sont asexuées par rapport à la comptabilité, mais j'y reviendrai pour l'explication. Et 4 femmes et 3 hommes dans la catégorie B. Alors, comment le CA sera constitué ? Vous avez tous lu les statuts, j'en suis sûre. Le CA sera composé de minimum 7 membres et maximum 18 membres. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre d'une élection à la majorité simple. Et donc, comme on a 35 candidats, les 18 premiers seront élus. Et donc, nous pouvons avoir un conseil d'administration complet. Donc vous avez pu voter pour 18 personnes au maximum. Alors comment ça va se répartir dans la catégorie A? Donc ça a été, c'est une précision qui est toujours importante à rappeler, ça vient du processus Smart in Progress. Il y avait une volonté notoire de toujours favoriser la place des sociétaires dans le conseil d'administration, comme auparavant la structure Smart avait un conseil d'administration composé de membres. Aujourd'hui, la majorité de membres du conseil d'administration sera faite de sociétaires de catégorie A, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, c'est tous les autres, en quelque sorte. Donc si on revient aux 18 personnes, il y aura 11 sociétaires de catégorie A, 11 administrateurs de catégorie A, pardon, et 7 administrateurs de catégorie B. La question du genre, elle arrive ici. Ce CA sera composé de, hors personne morale, 40% de femmes minimum et 40% d'hommes minimum. Je précise qu'on n'a pas prévu la traduction parce que c'est beaucoup de chiffres et que j'espère que vous pouvez suivre pour ne pas répéter tous les chiffres en néerlandais. Oui, merci. Alors, comment avez-vous pu voter ? Donc un homme, une voix, ça c'est quelque chose qu'on dit depuis le début, c'est même un homme, 18 voix, puisque vous avez pu distribuer 18 postes d'administrateur. Une voix par candidat, évidemment, vous pouvez lire en même temps, chaque sociétaire peut voter pour chaque catégorie, et vous avez pu voir, puisqu'il est presque 17h et vous avez certainement tous voté, que vous avez pu élire 11 personnes en catégorie A et 7 personnes en catégorie B au maximum. Vous n'avez pas été obligé d'élire des personnes ou un nombre de personnes que vous n'aviez pas choisi. Vous avez très bien pu voter pour une seule personne ou 0 personne dans une catégorie. Ça, on verra les résultats tout à l'heure. Alors, comment vont se répartir les voix ? C'est là qu'il faut s'accrocher. On va d'abord les classer par catégorie. De toute façon, vous avez voté par catégorie, donc on va voir quelles sont les personnes qui ont reçu le plus de suffrages en catégorie A et pareil en catégorie B. L'ordre se fera de façon normale par ordre décroissant du nombre de votes reçus, puisque majorité simple. Donc 11 candidats catégorie A, 7 candidats catégorie B. Précision importante, c'est quelque chose qui est indiqué dans le règlement d'ordre intérieur qui a été validé par le conseil d'administration de la coopérative en accord avec le conseil d'administration de la fondation. En cas d'égalité entre deux personnes, on fera un tirage au sort. On n'a pas prévu les petits papiers, donc on verra comment ça se passe. Et donc, pour terminer... Comment vont se répartir les voix ? Donc, comme je l'ai expliqué, les personnes morales sont asexuées. On va les retirer à partir du moment où on aura les... Il est 5 heures, fin des votes. Voilà.
je continue quand même mon explication. C'est important que vous sachiez comment ça se passe, parce que tout à l'heure, on vous annoncera les résultats bruts et en direct, on va faire la pondération, en quelque sorte, la répartition en fonction des règles que je suis en train de vous expliquer. Donc, nous extrairons les personnes morales qui sont donc asexuées pour le calcul des genres, et on regardera si on a bien 40% dans ce qui reste de personnes qui ont reçu le plus de suffrages, on regardera si on a bien 40% de femmes et 40% d'hommes au minimum pour chacun des genres. Et donc, si on n'atteint pas ces minima, il faudra repêcher. Et donc ça, c'est la question qui est toujours complexe à expliquer. Puisqu'il s'agira de rééquilibrer les genres pour respecter les règles des statuts. Donc, je vais prendre un exemple parce que ça va être beaucoup plus simple. On imagine qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Prenons l'exemple contraire à ce qu'on fait d'habitude. On prendra la femme qui a le moins de voix et on la remplacera par l'homme qui a le plus de voix qui n'a pas été, qui n'était pas dans les 18 personnes. Et donc voilà, il va falloir faire des balances comme ça jusqu'à obtenir la proportion minimale des 40% au sein des personnes physiques. Voilà, ça c'était la façon dont le CA va se constituer. Ben voilà, on est assez bon dans le timing. On va peut-être passer un petit moment de questions si vous voulez. Oui, je vais préciser sur la bonne idée de Nicolas. En fait, là, le vote s'est clôturé. On va recevoir les résultats de notre fournisseur WooClap et donc on va préparer les comptes. Et dans un souci de transparence, ben, je propose qu'il y ait... Nicolas propose, tu es toujours d'accord ? Oui. Que deux personnes viennent avec nous pour, en tant qu'huissier. Donc voilà, j'appelle deux candidats, un homme, une femme, tant qu'on y est. Qui veut faire commissaire aux comptes ? Léo, tu es censé être en train de faire ton PowerPoint, toi. Hein. Il est 17h, tu dois préparer le... Léo a bientôt les résultats. Qui veut faire commissaire aux comptes avec Nicolas ? Quelqu'un, simplement, qui vérifie. Oui. Là-bas. Voilà, super. Le lecteur attentif on a déjà du rapport un homme. D'activité. Et ici, voilà, on a deux personnes. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a deux hommes. Ah non, il faut une femme, pardon. Oui, oui, bien sûr. Pardon. Non, t'étais le premier. Donc une femme, s'il vous plaît, si possible, femme, là-bas. Ben voilà, venez nous rejoindre, merci. Une femme ? Merci. Oui, est-ce que vous avez bien compris ce que Sophie a expliqué ? Moi, j'ai rien compris, hein, personnellement. Deux informations importantes. D'abord, monsieur le réviseur est arrivé. Il est là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir le trouver. Il y répondra avec plaisir, m'a-t-il assuré. Et ensuite, on a une deuxième question par SMS. Ouh là là, on en a deux. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question. On n'a toujours pas de femme hein, pour le huissier. Si. Ah, pardon, voilà. Excusez-moi. Quels sont vos prénoms ? Dominique. Ah oui. Et Olivia. Dominique et Olivia seront nos commissaires aux comptes. Alors, oui, scrutateur, pardon. J'aime bien les mots un peu pompeux, moi. Alors, une application smartphone est-elle prévue dans un futur proche pour encoder plus facilement les contrats ? Eh bien, Samuel, je t'encourage fortement à participer au groupe de travail sur l'amélioration des outils informatiques, évidemment, à contacter Stefano dans cette optique, vu que c'est exactement là que se discuteront ce genre de développement. Faut-il être sociétaire pour faire partie de ces groupes de travail ? A priori, je dirais quand même oui. Ça concerne quand même la coopérative, ça concerne la mise en œuvre des mutations, des changements stratégiques de la coopérative. Donc, a priori, je dirais oui, mais je ne suis pas contre les pots de vin. Venez me voir à la fin du... Je rigole, évidemment. Hein ? Oui, mais par... Alors, est-ce qu'on sait dans combien de temps on aura les résultats de l'élection ? Eh bien, nous allons faire une pause. On fait une pause, carrément ? Oui, mais les 5 minutes, 10 minutes ? Ok, on vous donne rendez-vous ici. S'il n'y a plus de questions, pardon, il n'y a plus de questions ? Globalement ? Non ? On vous donne rendez-vous ici dans 10 bonnes minutes pour les résultats de l'élection du conseil d'administration.
Merci, à tout à l'heure.
Alors, merci à tous d'être revenus, malgré les effluves de pastis. Donc, nous avons le résultat des votes. Je vais laisser les techniciens et autres scrutateurs vous donner les précisions nécessaires. Mais en fait, ça a été très facile. Ils ont pris du temps parce qu'ils se la jouent un peu, mais ça a été très facile. Oui, alors pour le vote relatif aux administrateurs, voilà. Là on peut passer peut-être... Alors oui, ce que l'on a fait, c'est que l'on a pris les résultats bruts issus directement des urnes, si je puis m'exprimer ainsi, qui ont été classés par ordre de nombre de voix, ordre décroissant. Donc la personne qui a obtenu le plus de voix jusqu'à la personne qui en a obtenu le moins. Et par magie électorale, nous n'avons pas dû procéder au moindre repêchage. Donc nous n'avons pas pêché ou pas repêché de candidats, homme ou femme, peu importe. Voilà, donc on peut... Damien veut préciser quelque chose. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser un truc parce que ma collègue Sophie Baudaroué m'a insisté que je le précise. Il y a eu 411 votants. Et l'Assemblée Générale actuellement a été vue plus de 1300 fois en live sur Facebook. Voilà, j'ai fait mon travail. Je ne sais pas où est Sophie, mais... voilà. Et donc pour le vote, c'est Macron partout. Voilà. Alors, la résolution concernant l'approbation des comptes qui était, je n'ai plus le texte exact en tête, mais qui demandait, après avoir lu, pris connaissance des comptes, est-ce que j'approuve, je n'approuve pas ou je m'abstiens. Donc, le oui l'a emporté à 79% contre 20% d'abstention et 1% de non. Sur la deuxième résolution concernant l'approbation du rapport d'activité, 83% de personnes ont approuvé le rapport d'activité contre 16% d'abstention et 1% de non. Ça doit être le même. Ah, petit original. L'approbation de la création des groupes de travail, approuvée à 93% contre 7% d'abstention, 0% de non. Et voici la liste des premiers administrateurs du conseil d'administration donc de SmartCoop. Dans l'ensemble des catégories et l'ensemble des catégories des personnes ont été bien entendu ici mélangées. Nous avons, je vais proposer. Ah, oui, pardon, merci. Je vais laisser mon collègue. Voilà, alors, comme c'est la première fois que ça a eu lieu, qu'il y avait des règles particulières, c'est peut-être intéressant de voir. Donc, il y avait 35 candidats, donc 18 postes à pourvoir, répartis 11 en catégorie A. Vous avez les 11 premiers classés par vote qui sont temporairement élus pour l'instant, puisqu'il y a d'autres règles à vérifier aussi. Et donc, intéressant, c'est que vous avez un tirage au sort potentiel éventuellement sur le 11e poste, puisque 59 et 59, c'est une des règles. On a séparé là-dedans les 11 premiers, ceux-ci ne sont pas élus. Intéressant, sur les 11 premiers, il y avait 6 candidats femmes. Les 6 femmes sont dans les 11. Et il y a 5 hommes sur 16. Et donc, dans les 11 du dessus, il y a 5 hommes sur les 16. Donc, les non-élus sont tous des hommes, non-élus temporairement. Catégorie B. La catégorie B a donc droit à 7 élus. Avec 3 répartitions hommes-femmes, mais également personnes morales. Et donc, personnes morales, vous avez Sandrino qui représente Smart et Françoise Kemajou qui représente Solidarité, qui, point de vue sexe, sont neutralisés sur les asexués linguistiques ou ici asexués tout court, comme ça aussi. Et donc, ici, nous avons 5 personnes à répartir, dans lesquelles il y a 2 hommes sur les 5 candidats hommes, 3 femmes sur les 6 candidates femmes et 2 personnes morales qui y sont aussi. Et donc nous arrivons au total des deux où il faut absolument 40% de femmes, 40% d'hommes et le 20% restant c'est égal. Nous avons au total exactement 9 femmes et 7 hommes puisqu'il y a 2 personnes morales, ça fait les 16.
et le 40% est à 6,4. C'est-à-dire qu'à un homme près, on devait commencer à changer tout. Ici, ce n'est pas nécessaire. Et donc, tous les gens concernés sont là. On n'a ni remplacement à faire qui aurait été Marilène van der Bulk, qui aurait dû ne pas être élue, ni tirage au sort sur les deux personnes qui, sur le 11e siège, ont 59 voix. Et voilà. Donc, finalement, ça passe sans trop de problèmes. Et heureusement qu'il y avait 7 hommes, si je puis dire, ou sinon on était parti avec un manque d'hommes, ce qui, a priori, les statuts ont été faits pour avoir 7 femmes. Ben, manifestement, c'est l'inverse, il faut protéger les hommes. Merci beaucoup Dominique. Je pense que je vais proposer à nos nouveaux administrateurs de venir nous rejoindre sur la scène. Ça me semble de circonstance. Allez, alors, j'appelle Azaïs Isabelle. J'appelle Domilie Marielle. J'appelle Vandendrich Hugo. Lulé Marie-Laure. Gomers Sarah. Elle est là ? Hein ? Campo Amor Lira. Où est-elle, Lira ? Elle n'est pas là, Lira ? Il manque Lira, non ? Quelqu'un a vu Lira ? Non ? D'accord. Bettarini Lapo. Fourré Gérard. Où est-ce qu'il est ? Il n'est pas là non plus, Fourré Gérard ? Non ? Dolanzer Karl, Danens Pierre, il est là. Vandenbulk Marilène, représentant la Fondation Smart, Sandrino Grassefa. Marie-Françoise Wirix. Thomas Blondel. Ouh, il a eu du succès avec les chiffres, hein, Thomas. Joël Boucher. Julien Charles. Représentant pour la solidarité, Françoise Kemajou. Et Lisa de Seine. Et voilà les administrateurs de la coopérative Smart. Félicitations à vous. Il faut prendre des photos. Ah oui, mettez-vous, rapprochez-vous un peu. Trouvez une manière de vous coller. Vous allez devoir faire des réunions à 18, alors... J'essaie de me cacher derrière vous. Ah, attends, ils sont encore occupés.
Oui, oui. Mais tu veux parler ? Comme ça, Sandrino, comme ça, tu fais des remerciements globaux aussi. Alors, félicitations à tous les 18. Je passe la parole à Sandrino pour le mot de la fin. Et puis on vous attend évidemment pour un verre de l'amitié. Ça va être extrêmement court parce que je pense qu'on en a tous marre d'être dans cette salle qui est très belle. Mais on préférerait être, je crois, avec un rafraîchissement. Et simplement, je voulais juste, en guise de conclusion, d'abord féliciter également l'ensemble des personnes qui se sont présentées et qui n'ont pas été élues, et leur dire qu'il y a plein d'autres façons de contribuer et de participer au projet SMART qu'en étant au conseil d'administration. On le voit bien, il y a d'autres instances qui se mettent en place, il y a des groupes de travail, il y a un appel aux porte-parole qui a été lancé. Donc il y a plein de façons de s'investir dans le projet en dehors du conseil d'administration, et je compte sur tous ceux qui n'ont pas été élus pour maintenir leur engagement, et en tout cas j'espère les retrouver dans d'autres cadres. Voilà, on m'a demandé de faire très court, donc je fais très court, mais je voulais quand même profiter deux secondes pour remercier l'ensemble de mes collègues qui ont fait en sorte que cette journée se passe bien, puisque c'est quand même une journée qui est 100% maison, c'est-à-dire qu'en dehors des membres qui nous ont installé la régie TV et le prestataire qui s'est occupé du vote électronique, qui est un prestataire extérieur, tout le reste de l'organisation de cette journée a été réalisé avec l'ensemble de l'équipe salariée permanente de SMART et évidemment aussi de quelques membres qui nous ont appuyés et donné leur soutien. Remercier aussi notre collègue qui s'est occupé de la régie son et qui a résisté à des longues heures dans une situation pas facile. Et donc je voulais vraiment qu'on le remercie. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de nos partenaires présents dans d'autres pays en Europe qui ont fait le déplacement, avec qui on a déjà eu un temps de travail hier soir et qui ont participé. Quelquefois, ce n'est pas si facile que ça parce qu'il y a quand même pour certains la barrière de la langue, mais je voudrais aussi qu'on les applaudisse et qu'on les remercie. Je viens de le faire. J'ai plus que deux remerciements à faire, vous inquiétez pas, mais je voudrais quand même qu'on remercie aussi l'ensemble des interprètes, traducteurs qui sont restés toute la journée dans des cabines et les conditions météo ne rendent pas leur travail plus facile. Voilà, et donc je voulais vraiment qu'on les remercie. Et pour terminer, je voudrais vraiment, mais là, un grand applaudissement pour Sophie Baudaroué, Elle s'est cachée, elle est là-bas. Alors, on va la réapplaudir une deuxième fois, parce que c'est elle qui a vraiment tout coordonné. L'année dernière, c'était Damien Dronsard, mais depuis, entre-temps, il est monté en grade, tout ça. Et donc, vraiment, c'est un travail important qui est de coordonner cette journée sur tous les aspects, et surtout un travail important et qualitatif quand on veut vraiment réussir à mobiliser tout le monde.
et à faire en sorte que la qualité de l'accueil, j'espère que vous l'avez ressenti, est de très bon niveau. Voilà, donc je voudrais encore qu'on t'applaudisse une deuxième fois, Sophie. Bon, alors, bah viens toi, viens deux secondes, parce qu'elle me dit oui, mais il y a tous les autres à remercier aussi, parce que voilà, elle pense que tout est collectif et voilà, et donc il faut remercier les autres collègues, c'est ça? Oui, mais donc tous les collègues, et de toute façon, je pense que tout le monde a soif, donc rendez-vous au bar, je lance un go à Joseph pour la fête et bon drink, merci à tous, bonne fin de journée.